Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite du jeu Visage, un survival horror. Donc nous sommes à la partie 14 des vidéos dans l'hôpital psychiatrique, dans le chapitre Rakan. Nous devons nous évader de là, sans perte et ni fracas on va dire. Donc avant toute chose, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour mieux flipper en même temps que moi. Essayez de crier aussi fort que moi et vous aurez gagné une sucette. Non, ou un McDo si vous voulez. Donc pour les nouveaux, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, c'est important. Et sans plus attendre, on démarre de là, go flipper, go crier comme une fillette. Et on y va, on n'a pas peur, on est des rappeurs, hein. Bon. Oh. Ah mais d'accord, putain, mais on n'était pas loin alors. Je voudrais fouiller d'abord. Ok, eh oui, la sortie. D'accord. Donc attendez. Ouais, la sortie, elle est là. Putain, bon, ben c'est bon alors. On était pas loin, putain, on était deux trucs. Donc, on n'est pas sorti. Ok, je croyais que c'était assorti, mais non. Donc, je pense que l'on va encore flipper. Pas moyen de l'ouvrir. Je ne me vois pas. Oh putain, c'est quoi ça? Non. Oh. Oui, bonjour Neneuil. Ça va? Oh mon Dieu, putain. Oh! What the fuck, qu'est-ce qu'ils lui ont fait quoi? Oh putain. Oh là 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 là. Ça me dit rien qu'il vaille là les amis, franchement. On est un peu dans le noir, non? On va mettre un peu de lumière. Ah c'est mieux comme ça. Comment ça va les potos? Ouais, tranquille. Moi aussi. Et n'oubliez pas, je n'ai pas peur. Donc mettez en commentaire ce que vous voulez. Mais surtout, ne mettez pas que j'ai peur et que je crie comme une fillette. Ça serait faux, voyons-en. Mais là, faut faire quoi, là? Oh putain, d'accord. Bonjour. Oh non. Oh putain. Je sais pas si c'est une bonne idée. Putain. Je sais pas si c'est une bonne idée là, les potos. J'ai vraiment très peur. Je suis pas rassuré pour un sou. À mon avis, ce qu'il y a au sol, ça, comme la première partie, ça nous indique là où faut y aller, là où faut aller. Donc faut y aller. Même si je n'ai pas bien envie. Oh putain! Merde. Oh putain. Oh non. Oh non. Oh non. Putain.
Oh putain. Ah donc là il y a trois yeux, ok. Trop bien en fait. Ah, c'est gore, ça me fait peur à chaque fois. Ah, lui, on lui a déjà arraché l'œil, trop bien. Ah. Lui, on lui a arraché l'œil aussi. Oh my god. Là, il y a un gros nenœil. Là aussi. Oh putain. What the fuck, quoi. Suis pas bien là, les amis. On n'a qu'un œil, hein. On n'a qu'un œil trouvé. Oui, ma fille. Bébé, si tu viens sur moi, tu risques de sursauter avec moi. Hein. Viens. Viens. Donc, on a trouvé un œil. Il nous en manque deux. Est-ce que je peux sauvegarder? Je peux sauvegarder, donc. Ok, je vais sauvegarder en 4. Étant donné qu'on a trouvé un œil, hein, ça serait bête que voilà. Mais là, c'est là d'où je viens en fait. Ah ouais, j'ai sauté de là-haut. Ah mais je suis pas allé là. Eh non. Moi, je crois. Je sais plus, putain, je suis paumé. Et si, je suis venu là. Ah ouais, je tourne en rond, en carré, en triangle. Ah, j'ai pas peur, hein. Moi, je vous le dis. Alors, on peut pas y aller. Moi, je vous dis que trop d'yeux tue lieu, hein. Ou tue l'œil, plutôt. On va grimper là-haut, non? Ou ici? On n'est pas venu ici. Mais si. Ah ben là, on peut pas. Oui, ma fille. Viens, bébé. Viens. Attendez, j'ai ma fille qui veut monter sur moi. Viens, bébé. Non, tu veux pas? Ok. Lui, je l'ai ramassé donc. Oh, écoutez, je suis en plein flip. Je dois chercher des yeux dans des tableaux. Tout va bien, je vais bien. Hein, dans le meilleur des mondes, les poteaux. Hein.
des tableaux au plafond. Super la déco, je dirais, hein, franchement. Bon, écoutez, on va regrimper. De toute façon, on peut pas y aller. Oui. Oh. Tiens donc. Deux œils. Putain, je suis pas rassuré. Oh, un œil. Faut que je retrouve la porte maintenant. Où était-elle? Ici, non? Ah. Ça a été, hein, je l'ai vu une fois, mais voilà quoi. Voilà. Oh putain. Viens ma fille. Viens bébé. Viens. Allez saute. Viens. Non, je me retrouve à nouveau dans l'hôpital. Waouh. Oh mon dieu, putain, pas ça. Donc là, j'ai rien. Ok, super. Bon, bien écoutez, on va suivre les traces de pas, hein. Ah, le cauchemar recommence, hein, les poteaux. Oh, il me montre où je dois aller. Oh, c'est-tu pas gentil, ça? Oh, mon dieu, du sang, du noir partout, c'est parce que c'est... Putain, c'est horrible. Oh, il m'a montré le chemin, le long couloir, pas effrayant du tout. Oh, c'est-tu pas gentil? L'aile psychiatrique, voyons donc. Non, les amis, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, les potos. Voilà. Vos réactions sur ce jeu. Oh! On peut pas ouvrir, ça tombe bien. J'ai pas non plus. Ah, de la lumière rouge. Faut toujours suivre la lumière rouge en fait.
Oh, c'est là où il faisait de la danse. Oh là là. Exit, non. Une clé. Le panel, la clé sur la table peut-être, non? Non. Ah. La chambre 05. Moyen de l'ouvrir. Les amis, des couloirs blancs étriqués comme ça, c'est Room 05, voyez, voilà. Oh putain. He's totally lost it. Leave me She injected him with a tranquilizer. I'm not supposed to be here. You're all part Someone of bind him up. Get his doctor right away. No. Let me out of here. What the fuck, quoi? Je veux partir de cet enfer. La clé. Salle d'observation, super. Putain. Ah voilà. Il y a personne. Oh. Une vitre sans teint. Une salle d'interrogatoire. We are left with no choice but to isolate you from the patients and employees in the psychiatric ward. Treatments are a measure of... No! No treatments! You all are the reason why this... Oui, ma fille. Viens, bébé. Viens, tu vas sursauter avec moi, n'aie pas peur. Viens, mon amour. Non? Tu veux pas sursauter avec moi? Ah, tant pis, écoute, hein. Pour sauter seule, hein. Viens, bébé. Non, elle veut pas, ma fille veut pas s'en sauter avec moi. Oh putain. C'est l'électricien. Je viens. Viens remettre les fusibles. On y va vite parce que j'ai peur. Ah, il est venu là. Il a voulu se jeter, mais c'était fermé. Ah, c'est con ça. Pourquoi elle me dit qu'il faut pas rentrer là en fait? Et moi bien sûr je rentre, ah oui. Oh non. Oh c'est dégueulasse quoi.
What the fuck. Oh, je vais le mettre dans la main dans le chiotte, quoi. Putain, c'est... Oh, putain. Waouh, c'est crade, quoi. Vous avez trouvé la poignée d'un boîtier électrique, ouais, et puis... Je doute bien qu'il faut remettre le transfo en route. Ah! Bonjour! Oh putain, il était colère. C'est l'électricien! Ah, electric room, ok. Une clé. J'ai pas la clé. Bisous, bisous. Là, on peut pas. Il y a une porte ouverte là-bas. Il est rentré dedans. Je pense que le petit canaillou de... Derakan avait chippé la clé. Oh putain, d'accord. Il avait dû chipper la clé quelque part. Ouais. Ok. Y a rien. Là, on peut rien prendre. On peut pas le tirer, le... C'est vraiment oppressant, cette ambiance, là. De ouf. Oh, putain, merde! God. Et ma fille. Tu vois, t'aurais sursauté avec moi, la bébé. T'es sûr, tu veux pas? Non? Viens. Viens là, mon amour. Donc. Ah! Bon, ben, on va passer par là, hein, les poteaux. Ah ouais, elle est où ma lampe? Ok. Oh, et puis avec toutes les toiles d'araignée comme ça, c'est franchement... C'est royal. Si ça se dit rien, c'est... Putain. Ouais, super. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Oh my god, putain, c'est quoi ça? Oh putain! Ah. Ah. Oh mon dieu, putain. J'avais une gueule. Sinon, à part ça, ça va. Une télé. J'avais la même dans les années 80. Vous savez, celle où il y avait la mire quand on captait pas, il y avait la mire avec toutes les couleurs. C'est excellent. C'est une bonne époque. Rien de t'en jouer à ta mère, elle va te le lancer. Oh là. D'accord.
un gros nenaï, des télés, Rakan, la Rakan City. Je suis pas là, mon ami. Oh. Un chiotte. S'il me cachait dans le chiotte, non? Oh là! Arrête de te déchaîner contre moi, putain. Mais où est la sortie? Putain. Il va pas vite en plus, il marche avec une canne, mais il m'effraie. Je suis choqué par ce jeu en fait, je suis choqué quoi les amis. Alors, mettez-moi bien en commentaire, balancez du like les potos, allez-y putain à fond. Où il est? Oh merde! Il est hyper rapide quoi le gars. Je peux pas monter? Putain, je peux pas monter. Oh là là, un cul-de-sac. Oh, il est devant. Et je cours, je me raccroche à la vie. Hop là, et hop, on fait du kiting. Hop là, et allez, kiting, oh putain, c'est pas comme si j'avais peur, bordel. Voyons donc. Putain, c'est quoi ce labyrinthe? Hop là, yeah! Oh yeah! Oh putain! Hop, on fait encore du kiting. Ça me rappelle World of Warcraft quand on faisait du kiting avec les boss. Où dois-je aller en fait? Où il faut que j'aille les poteaux? Oh, oh, ah. Dans l'œil, non?
Faut que je fasse les gros yeux. Non, j'en ai fait un. Il est où l'autre? Oh merde! Ah mec, t'es relou quoi! Franchement! Vous pouvez entendre des sons provenir. Dernière le. Sans provenir de derrière l'œil. Et comment ça derrière l'œil? Oh putain! Et lui est comment derrière l'œil? Moi je veux bien, je comprends pas, putain. Je fais comment? L'œil géant vous bloque le chemin. Essayez de trouver quelque chose de tranchant pour l'ouvrir. Ah putain, d'accord. Hop là! Hey. Oh putain. Suquet bleu, non. Hop là, allez. Oh merde, putain. Ouais les potos, je suis désolé, je cherche un truc de tranchant et c'est pas où c'est, alors on va refaire le tour. Excuse-moi ma fille, mon petit bébé. Oui, c'est qui? C'est qui te fait caresse? Hein? Ah oui. Bien flippant, hein, les potos, bien flippant, moi je vous le dis. Faut que je trouve un objet tranchant pour l'œil, mais voilà, je sais pas. Je sais pas où. Oh putain, là! Putain, les poteaux, c'était devant moi, quoi. Putain, on aura trouvé l'objet tranchant, j'espère que ça va passer. Ah oui, ah ouais, oh mon dieu.
Oh là là, c'est gore. Oh, oh là là. On est dans un œil, les amis. On aura trouvé. Putain, je suis tombé dessus sans le vouloir, quoi. Depuis tout à l'heure, je fais le tour et je trouve pas ce couteau, quoi. Putain. Oh mon Dieu, putain. Oh, d'accord. Mais c'est bien sûr. Ben voilà. Voilà qui est fait. La porte est verrouillée, ok. Ah, elle est plus verrouillée. Donc, je me sens pas en sécurité là. Ça pleure. Ça pleure. Où faut-il aller ? Trace de pas. Écoutez. On va revenir là? Non, ben non. Non. Où faut-il aller? Je vous demande. Non. Il y a un truc que j'ai pas vu là, non? Non. Même lui il rigole, il se fout de ma gueule. Elle est là. Ouais. Putain. Non, je pense pas qu'il fallait que je revienne là, hein. C'est pas possible. Que ça, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça m'a bien effrayé tout à l'heure. Je sais pas trop, je flippe bien là. Mais que faut-il faire? Car ce n'est pas de toute beauté. L'ascenseur? Ah, l'ascenseur. Bonjour.
à part ça, ça va? Putain, ils font flipper, c'est con. Hein. Je suis pas rassuré pour un sou, moi je vous le dis. Ah! Écoutez, on va reprendre l'ascenseur. J'ai un malentendu qu'il faille qu'on se casse. Je vais me reculer. Et je vais regarder derrière. Oh putain, non, pas ça, pas le noir. Putain. Non. Oh là, c'est de toute beauté par terre, regardez! Oh ouais. Oh my god, c'est toute beauté. J'ai une save, c'est royal. Ah, j'ai toujours adoré les hôpitaux psychiatriques, franchement. Quand c'est pas où partir en vacances, je me dis, et si j'allais visiter un hôpital psychiatrique? Je trouve ça assez chaleureux, regardez-moi ça un peu. Du beau carrelage, des belles portes. So, Reagan, right? I'm here with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Well, I'll get back to you soon. Okay. Bah, il pouvait pas le... Il peut pas le laisser rentrer chez lui dans l'état où il est encore, quoi. C'est pas possible. Ah, pas moyen de l'ouvrir, ok. D'accord. Un truc sous le lit? Non. Putain. Ah. Ah non, pas moyen de l'ouvrir. Mais que faut-il faire? Je suis enfermé. Je suis bloqué, les poteaux. Pas moyen de l'ouvrir. Moi, pas tout comprendre là.
C'est rien, j'ai aucun objet. Laissez-moi sortir. Je veux sortir, putain. Bon, quoi vous dire, les amis? Quoi vous dire? Je suis bloqué, je suis Keblo. D'accord. Vous pouvez venir m'ouvrir, s'il vous plaît? Non. Non. Bon, ben, écoutez, les amis, moi, je vous propose la suite au prochain épisode, hein, en espérant qu'on sera débloqué. Voilà, en tout cas, bien, merci d'avoir flippé avec moi du début à la fin, c'était bien cool. Quoi dire de plus? Bien, pour les nouveaux, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications. Comme ça, vous verrez quand d'autres vidéos d'horreur sortiront et vous pourrez flipper en cœur avec moi. Et pour tout le monde, bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. On se dit bye bye, à bientôt. Bye bye et à bientôt.